et donc on va parler de la fibromyalgie en 2023. Et donc vous allez voir que il y a un décalage très important entre ce que vous entendez dans les cabinets médicaux, paramédicaux, les médias, tout ce que vous voulez. Oui, la fibromyalgie, c'est dans la tête, tatati. En fait, vous allez voir qu'on a plein de choses qui arrivent dans la fibromyalgie pour comprendre pourquoi les douleurs, pourquoi la fatigue, pourquoi mal au ventre, etc., etc. Et qu'on est en train progressivement, grâce à pas mal d'équipes de recherche dans le monde, d'élucider un peu ce puzzle, de le reconstituer pour mieux comprendre pourquoi il y a tous ces symptômes et pourquoi il ne faut pas parler de syndrome. Ça ne veut rien dire syndrome, donc on peut vraiment parler de la fibromyalgie maladie. Alors, ceux qui sont surtout gênés par les troubles digestifs, qui ont un syndrome de l'intestin irritable ou qui ont d'autres problématiques, sachez que vous n'êtes pas exclus de ce propos parce qu'on parle beaucoup de la fibromyalgie parce que c'est un peu le vaisseau amiral des symptômes inexpliqués, parce qu'il y a tout dedans. Il y a le digestif, il y a le cerveau, il y a les muscles, il y a tout ce que vous voulez. Donc, vous trouverez aussi des choses pour vous. Donc c'est pour ça que je vais surtout parler de la fibromyalgie, mais c'est valable aussi dans beaucoup d'autres choses, notamment le syndrome de fatigue chronique, l'intestin irritable, notamment tout ce qui est prise en charge nutritionnelle. Voilà. Donc on va commencer par l'état des connaissances, un petit plan, donc juste un petit rappel de l'introduction et des statistiques. Le diagnostic. L'état des connaissances, alors quand je dis état des connaissances, c'est plutôt les connaissances sur ce qu'on appelle la physiopathologie, c'est-à-dire tout ce qui est perturbé, qui dysfonctionne et qui peut expliquer les symptômes. Et ensuite, comment on va faire pour aller mieux. Donc, vous voyez qu'on a un gros programme, alors on y va. Donc la fibromyalgie, je vais passer assez vite sur les statistiques, puisque vous avez sûrement déjà un petit peu une idée. Hein, 2 à 6% de la population, 2 millions de patients en France. Il y en a dans tous les pays, toutes les classes sociales. Et c'est 85 à 90% de femmes, donc 10% d'hommes, c'est à peu près ce qu'on a nous ici aussi. C'est souvent quand même sous-diagnostiqué chez les hommes, probablement qu'il y en a plus. Et pareil pour les enfants, il y a des fibromyalgies chez l'enfant. Dans les dernières données, ça pourrait aller jusqu'à 3%, c'est beaucoup, hein, mais voilà, ça existe quand même chez les enfants. La fibromyalgie, il ne faut pas le nier. L'âge moyen au diagnostic est de 40 ans, 40-50 ans. Moyen. Mais on a des enfants, on a des personnes âgées, on a tous les âges. Alors l'errance diagnostique, c'est-à-dire entre le moment où les symptômes arrivent et le moment où le diagnostic est fait, eh bien ça peut être très long, hein, c'est en moyenne de 6 ans à peu près. Pour le syndrome des nerfs dans l'os, c'est 20 ans, mais c'est plus long. Et donc quand on dit 6 ans pour la fibromyalgie, ça peut être moins d'un an pour certains patients qui ont de la chance. Et parce que ils auront vite le diagnostic, s'ils ont un médecin qui va vite les orienter. Et puis d'autres qui vont traîner pendant 20 ans, ça c'est vrai qu'on en voit encore. Et c'est important le diagnostic et de le faire assez rapidement, parce que tous les experts s'accordent pour dire que plus on tarde, plus le muscle se déconditionne, plus les douleurs sont sévères et plus la remontée va être compliquée et difficile. Donc c'est quelque chose qui a déjà été décrit, vous voyez, au début du 19e siècle. Les premières anomalies constatées, c'était un électroencéphalogramme perturbé en 1975. La grosse difficulté, en fait, c'est qu'il n'y a pas de marqueur diagnostique, c'est-à-dire que ce serait simple si on pouvait faire une prise de sang et vous dire la prise de sang montre que vous avez une fibromyalgie. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est ça qui complique les choses. Alors, ce qui fait que le diagnostic, en fait, c'est un diagnostic clinique. Ça veut dire que c'est le médecin en face du malade qui fait le diagnostic en examinant ou en interrogeant le patient. Clinique, ça veut dire au lit du patient. Vous voyez. Et donc, ce n'est pas les examens qui vont faire le diagnostic. On peut utiliser des questionnaires de dépistage, je vous montrerai après. Mais les critères, et notamment ceux qu'on utilise dans la recherche clinique, ce sont les critères ACR. Et je vais vous montrer ce que c'est après. Et puis, il y a un questionnaire d'évaluation qui permet d'évaluer un petit peu l'impact de la fibromyalgie sur la vie quotidienne, en fait. Et ça s'appelle le FAQ. Il est assez utilisé dans les études cliniques. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est, oui, effectivement, la douleur, la fatigue, les symptômes, mais aussi l'impact sur le quotidien. Il y a des gens qui ne peuvent plus rien faire. Et d'autres qui, malgré les douleurs, arrivent quand même à garder une activité professionnelle. Donc, vous voyez que le panel est quand même large entre ces deux extrémités.
Et puis les examens complémentaires sont aussi importants pour être sûr de ne pas passer à côté, par exemple chez les gens très fatigués d'un dérèglement de la thyroïde, du polycythe rhumatoïde, etc. Donc c'est important d'éliminer les autres diagnostics. Voilà, alors les symptômes principaux, c'est donc la douleur, hein, la douleur qui doit globalement toucher un petit peu tout le corps. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui présentent des douleurs de type fibromyalgie qui par exemple ont surtout des douleurs dans le bas du corps ou surtout des douleurs en haut ou surtout d'un côté, mais ça n'exclut pas forcément le diagnostic pour autant. La fatigue, donc fatigue ça veut dire fatigue, sommeil non réparateur, fatigabilité d'effort, etc. Le sommeil n'est pas perturbé chez tout le monde, mais quand même il y a une grande majorité des patients qui présentent des troubles du sommeil. Des troubles cognitifs, donc ça c'est les troubles de mémoire et de concentration et d'attention. Alors c'est plus souvent des troubles de l'attention en fait. On dit souvent troubles de mémoire, c'est plus des troubles attentionnels. Et les autres symptômes. Alors, dans les autres symptômes, on a beaucoup de choses et le plus important des beaucoup de choses, c'est les troubles digestifs, puisque jusqu'à présent, traînait un petit peu dans les études des 30 à 40% de troubles digestifs chez les patients. En fait, dans la réalité, les patients ont beaucoup plus souvent que ça des troubles digestifs. Et si on veut bien se donner de la peine d'aller interroger les patients et les examiner, bah, les troubles digestifs, moi j'étais plus sur 90-95%. Et au congrès de Vienne, là, le mois dernier, il y a un médecin néo-zélandais qui a présenté une étude qu'ils ont fait là-bas. Et ils ont étudié avec précision les symptômes digestifs présentés par les patients fibromyalgiques. Et donc, on est à 93%, ce qui correspond beaucoup plus à la réalité du quotidien. Et 88% des patients présentent un intestin irritable. Donc, l'intestin irritable, bah, c'est ce qu'on appelle la colopathie fonctionnelle aussi. Donc, c'est ça ballonne, ça fait mal. Il peut y avoir de la constipation, de la diarrhée, ou un coup l'un, un coup l'autre. Voilà, c'est un peu ça, hein, l'intestin irritable. Et il y a d'autres troubles aussi. Et là, j'étais étonnée des chiffres parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant. Il y a en fait un quart des malades qui présentent des problèmes au niveau de l'anus et du rectum. Et donc, l'anus, et je ne pensais pas que c'était autant, 26%. Donc ça, c'est fuite de sel ou au contraire, les selles qui ne veulent pas sortir. Et donc, du coup, en fait, ça touche beaucoup de patients. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça n'avait jamais vraiment été fait de vraiment identifier tout ce qui se passe au niveau du tube digestif. Donc, troubles neurologiques, donc ça, c'est assez varié. Les troubles urinaires et génitaux, donc les fuites urinaires, les brûlures urinaires alors qu'il n'y a pas d'infection, tout ça, ça rentre un petit peu là-dedans. Les troubles sensoriels, l'hypersensibilité à la lumière, au bruit, par exemple. Les troubles cardiovasculaires, épisode de tachycardie, hypotension, etc. Les troubles rhumatologiques, donc les patients fibromyalgiques font plus volontiers des tendinites, des poussées d'arthrose, etc. Ils font beaucoup, beaucoup. Donc c'est vrai que quand un patient a tout le temps mal partout, il faut savoir quand même voir s'il n'a pas une pathologie de l'épaule ou une sciatique. Voilà, donc quand il y a une nouvelle douleur, quand même, aller voir si c'est pas autre chose. Et par ailleurs, les patients fibromyalgiques font plus souvent des rhumatismes inflammatoires, type polyarthrite, spondylarthrite. Et donc, notamment au début de la maladie, il faut savoir quand même ne pas passer à côté d'une maladie inflammatoire articulaire. Et à l'inverse, si on prend des populations de patients qui ont une maladie inflammatoire articulaire, il y a plus souvent des fibromyalgies dans ces populations. Donc il y a vraiment un lien entre les deux, hein, et ce n'est pas fortuit d'avoir les deux. Troubles respiratoires, ben, il y a souvent un essoufflement à l'effort. Une intolérance à l'effort et un essoufflement à l'effort, alors qu'il n'y a pas d'insuffisance cardiaque ou d'insuffisance respiratoire. Et il peut y avoir une coexistence avec des maladies inflammatoires, comme le Gouge-Bourgogne, c'est la plus fréquente, c'est une maladie auto-immune qui touche les glandes exocrines, qui va assécher les yeux, la bouche et toutes les muqueuses, en fait. Donc ça, c'est assez fréquent, c'est la plus fréquente dans la fibromyalgie, mais on peut aussi avoir un lupus, un Crohn, une spondylarthrite, une polyarthrite. Et l'association des deux n'est pas fortuite. Alors, on parlait du dépistage de la fibromyalgie. C'est une équipe française, l'équipe du professeur Perrault à Paris, qui a développé un questionnaire de dépistage. C'est-à-dire que quand quelqu'un se plaint un peu de symptômes, comme ça, on pourrait savoir rapidement est-ce que c'est plutôt une fibromyalgie ou autre chose. Ils ont développé un questionnaire à 6 questions. Et donc, les patients, sur ces 6 questions, si les patients répondent
5 fois ou 6 fois oui, c'est que c'est très probablement une fibromyalgie. C'est pas 100%, mais déjà c'est un bon niveau de sensibilité. Voilà. Donc les questions, c'est mes douleurs sont localisées dans tout mon corps. Mes douleurs s'accompagnent d'une fatigue générale permanente. Mes douleurs sont comme des brûlures, des décharges électriques ou des crampes. Mes douleurs s'accompagnent d'autres sensations anormales, fourmillements, picotements, engourdissements dans tout mon corps. Mes douleurs s'accompagnent d'autres problèmes de santé comme des problèmes digestifs, des problèmes urinaires, des maux de tête, des impatiences dans les jambes. Et la dernière question, mes douleurs ont un retentissement important dans ma vie, en particulier sur mon sommeil, ma capacité à me concentrer avec une impression de fonctionner au ralenti. Donc si vous avez répondu à 5 questions sur 6, ou 6 questions sur 6, vous avez 90% de chances d'avoir une fibromyalgie. Vous avez bien fait de venir. C'est 90% de risque. Alors les critères qu'on utilise habituellement, c'est la petite grille que moi je fais remplir en consultation. Les patients doivent coter un petit peu toutes les zones qui sont habituellement douloureuses dans les 7 jours qui viennent de s'écouler. Ils doivent coter leur score de fatigue, troubles du sommeil, etc. Et puis les troubles cognitifs. Et puis on regarde voilà, s'il y a des maux de tête, etc. Et on fait le petit calcul. Et voilà. Alors, les patients qui arrivent à la consultation à la douleur ou chez moi, même la plupart du temps, ils remplissent les critères. Ce qui est intéressant, c'est que les critères peuvent, quand les gens vont mieux, ils peuvent être diminués. Et donc ça peut aussi être un marqueur de suivi. C'est-à-dire qu'il y a moins de points douloureux, il y a moins de fatigue, etc. Et donc on voit que les scores diminuent. Le questionnaire FIQ, alors on fait un petit peu moins en routine. C'est un questionnaire qui est utilisé beaucoup en recherche et donc on évalue la fonction physique, l'aptitude au travail, l'état psychique, le sommeil, la douleur, la raideur, la fatigue, la sensation de bien-être et puis on fait un petit calcul et ça permet le suivi. Voilà. Alors les diagnostics différentiels, c'est-à-dire les diagnostics à côté desquels il ne faut pas passer avant de dire c'est une fibromyalgie et rien d'autre. Bon, faut être sûr qu'il n'y ait pas un rhumatisme inflammatoire comme je vous ai dit, on élimine en général assez vite les maladies neurologiques comme la sclérose en plaques par exemple, ça c'est assez rapidement éliminé, les problèmes thyroïdiens, certaines infections, donc le sida, les hépatites, la mononucléose, enfin toutes ces maladies qui fatiguent et puis qui peuvent altérer l'état général, la maladie de Lyme, la toxoplasmose, le Covid, donc là je fais juste une parenthèse sur le Covid long, le syndrome post-Lyme, qui sont globalement hein, un petit peu des modes d'entrée dans la fibromyalgie. Donc ça je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant, mais clairement le Covid long, maintenant on s'approche vraiment clairement d'une fibromyalgie post-infectieuse. Hein, voilà. Comme on voit aussi après la mononucléose, il y a des états de fatigue très très intenses, qui peuvent être durer très très longtemps après la mononucléose. Bon, évidemment le cancer, les maladies génétiques, le syndrome d'Ehlers dans l'os, ça c'est pas anodin parce qu'en fait le syndrome d'Ehlers dans l'os hyper en ville, c'est pas si rare que ça. Et les maladies de système, donc j'en ai déjà parlé. Certains médicaments, parmi les médicaments qui peuvent donner des douleurs, il y a les médicaments pour le cholestérol. Donc quand les gens prennent des médicaments pour le cholestérol, des fois on fait un essai d'arrêt pour voir ce que ça donne. Sur les douleurs et s'il n'y a rien de change, bon, on peut reprendre le traitement sans crainte. Voilà, c'est un exemple parce qu'il y a d'autres médicaments hein, et en fait quand on ne comprend pas, il faut aller regarder ce que les gens prennent. Alors l'état des connaissances sur un petit peu qu'est-ce qui dysfonctionne dans la fibromyalgie. Donc d'abord, effectivement, il n'y a pas de marqueur biologique de la maladie, hein, ça c'est je vous l'ai dit. L'explication purement psychique de la maladie est dépassée. C'est-à-dire que c'est dans votre tête et puis c'est tout, vous êtes stressé, vous n'avez qu'à vous reposer, ben non, non. Alors c'est vrai que le stress, vous avez dû voir si vous avez regardé la petite vidéo sur les piliers de la prise en charge, mais c'est important parce que le stress est très aggravant. Et par ailleurs, les patients qui ont vécu des choses douloureuses dans leur vie ou qui les vivent encore maintenant, ils doivent travailler dessus parce qu'en fait ça ne les aide pas du tout à remonter. Et même certains patients, c'est ça qui les a fait plonger en fait. Hein. Donc il ne faut pas complètement mettre de côté cet aspect-là, il peut être important. Mais il n'y a pas que ça.
et tous les organes peuvent être atteints. Alors du coup, la question, c'est puisque tous les organes peuvent être atteints, vous demandez si vous faites un inventaire auprès des patients, tout ce qu'ils ont comme symptômes, les yeux, les articulations, les muscles, le ventre, la vessie, il y a plein de choses, les articulations temporomandibulaires, voilà, plein de choses qui dysfonctionnent. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Quel est le dérèglement qui peut faire que finalement tous les organes dysfonctionnent? Bon, alors donc c'est ça qu'on va voir. Il faut essayer de trouver une explication qui explique tout en fait. Alors, on sait qu'il y a une sensibilisation centrale. Alors, dans la fibromyalgie, je vous mets la petite diapo sur les anomalies neurologiques. Donc, on sait que les patients ont un dérèglement de la sensation douloureuse. Donc, ça, c'est le truc principal qu'on connaît depuis longtemps. C'est-à-dire que, normalement, la douleur dans le corps, elle a du sens. C'est-à-dire que si vous mettez votre main sur une plaque brûlante, vous allez avoir tout de suite une douleur pour retirer votre main. Donc, dans la douleur aiguë, ça a du sens, la douleur. Puisqu'elle va, ça va être salvateur pour vous, en fait, de ressentir la douleur. Un stress positif. Hein ? Un stress positif. Voilà, la douleur aiguë, c'est positif quand ça répond à quelque chose dont vous devez vous préserver. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est quand il y a une stimulation douloureuse à un endroit comme la plaque chauffante, il y a un influx douloureux qui monte jusqu'à votre cerveau, en une fraction de seconde, bien sûr, et le cerveau, tout de suite, répond par une réaction motrice, c'est-à-dire que pouf, vos muscles se contractent pour que vous retiriez votre main. Et donc ça, c'est assez facile à comprendre. Et dans la douleur chronique, ce qui se passe, c'est que il y a une hypersensibilisation du cerveau qui fait qu'il y a des influx douloureux qui sont envoyés dans le corps. Et normalement, le corps, pour simplifier, le cerveau a les moyens de faire baisser, de moduler ces sensations douloureuses, d'essayer de faire un équilibre pour que ce soit supportable. Et là, en fait, c'est comme si le thermostat était branché trop fort. C'est-à-dire que du coup, il y a des gros influx là, et puis les systèmes de neuromodulation sont là. Et du coup, ce qu'on peut proposer comme technique pour améliorer les patients, que ce soit la RTMS, le TENS et autres, c'est des techniques de neuromodulation pour faire en sorte que la balance se remette un peu en équilibre. Voilà. Et donc, quand les gens ont tellement mal que dès qu'on les touche, ils ont mal, c'est ce qu'on appelle l'allodynie. En fait, c'est une baisse du seuil de douleur. C'est-à-dire que normalement, si je fais ça, je ne provoque pas de douleur. Si je fais ça, un peu plus. Si j'envoie un marteau, encore plus. Donc c'est vrai que si on... Donc il y a un abaissement du seuil de douleur qui fait que dès qu'on touche, ça fait mal. Voilà. Et aujourd'hui, on peut, j'allais dire, corréler un petit peu cet abaissement du seuil de douleur, ce déséquilibre, à ce qu'on appelle des imageries fonctionnelles. C'est-à-dire que si je fais une IRM à 100 patients fibromyalgiques, je ne vais rien trouver, pas grand-chose. Vous avez peut-être déjà eu une IRM, mais en général, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais par contre, si on fait une IRM fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on analyse le fonctionnement des zones du cerveau, par exemple, on provoque des douleurs pendant l'examen, des choses comme ça, on voit que le fonctionnement de certaines zones du cerveau est différent. Donc il y a des zones qui fonctionnent pas assez, et d'autres qui fonctionnent trop. Et c'est ça, un petit peu, ça reflète ce déséquilibre. Et c'est tellement, comment dire, significatif, en fait, spécifique, c'est qu'on pourrait faire le diagnostic avec ces examens. C'est juste qu'on ne les fait pas encore en routine. Mais peut-être ça viendra dans les années à venir. On n'exclut pas de faire des IRM fonctionnels ou des TEP scans fonctionnels aux patients pour confirmer le diagnostic. Mais bon, pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt. Et vous voyez que les choses avancent. Après, on sait depuis longtemps qu'il y a une diminution de la sérotonine, de certaines molécules cérébrales, et aussi qu'il y a des anomalies des petites fibres nerveuses. Donc, le cerveau envoie des nerfs un peu partout dans le corps, qui se divisent et qui deviennent de plus en plus fines aux extrémités. Dans la fibromyalgie, on sait que les nerfs des extrémités, donc des mains, des pieds, en fait, sont plus rares. Donc, il y a ce qu'on appelle une neuropathie des petites fibres, qu'on voit au microscope, donc on peut être amené à faire des biopsies pour voir et comparer le nombre de petits nerfs à la racine d'un membre et à l'extrémité. Et on dit, ah, il y a une neuropathie des petites fibres. À peu près un patient sur deux, au cours de la fibromyalgie, a aussi une neuropathie des petites fibres. Ça bug, mon affaire. Ça va revenir. Voilà. La neuropathie des petites fibres, en fait, elle est corrélée à des douleurs de type
fourmillements, élancements, brûlures, des choses qui sont des signes de douleur un peu nerveuse, notamment dans les extrémités. Après, on sait aussi que dans le cerveau, il y a une augmentation du glutamate dans les cellules. Et le glutamate, ça fait partie de ce qu'on appelle les toxines. Hein, quand un marathonien fait marathon, il a mal dans les muscles. Et ben dans son muscle, il y a des toxines. Donc pyruvate, glutamate, lactate, etc. Donc vous voyez que dans le cerveau, c'est pareil. Le cerveau, lui, il a fait un effort un peu important. Et du coup, il se retrouve avec un taux de glutamate élevé. Voilà. Ça, c'est pour les anomalies neurologiques qu'on connaît. Et donc, tout ça pour aboutir à l'idée de ce qu'on appelle l'hypersensibilisation centrale. C'est-à-dire que l'hypersensibilisation centrale, elle ne concerne pas que la douleur. En général, les patients, ils sont hypersensibles à plein de choses. Comme vous avez remarqué, hein, les aliments, le bruit, le climat, la lumière, les émotions. Voilà. Donc, vous voyez que l'hypersensibilisation du système nerveux, elle peut toucher beaucoup de choses. Donc, on essaie de la résumer un petit peu comme ça. Fibromyalgie, fatigue chronique, céphalée de tension, migraine, colite chronique. Ah non, ça, c'est l'intestin irritable, en fait. Hein, voilà. Les jambes sans repos, les articulations mandibulaires qui vont pas bien, la vessie irritable. En fait, tout est un petit peu hyper nerveux, si je puis dire. Hein. Tout le système est hypersensibilisé. Alors, aujourd'hui, on parle de douleurs nociplastiques. Voilà, mais enfin, ça ne change pas grand-chose pour vous. Le concept, c'est ça, en fait. C'est que le patient fibromyalgique, il est hypersensible à tout, en fait. Et donc, c'est vrai... Douleurs nociplastiques, voilà. Et donc, c'est vrai que la médecine moderne classe les patients dans des boîtes. Donc, voilà, douleur dans la poitrine, infarctus, voilà ce qu'il faut faire. Vous voyez, on a des symptômes, un diagnostic et un traitement. On apprend la médecine comme ça d'ailleurs, et ça marche pour 95% des maladies, mais ça marche pas pour la fibromyalgie et pour tous ces symptômes-là. Et donc, il y a des gens, ils arrivent, bah, ils ont vu le stomato pour leur mandibule, ils ont vu le gastro pour leur ventre, ils ont vu le rhumato pour leur douleur, ils ont vu encore quelqu'un d'autre pour la fatigue, le neurologue pour le syndrome des jambes sans repos. Et donc, en fait, ils ont plein de dossiers médicaux. Et en fait, on arrive, enfin, voilà, on peut pas résoudre leurs problèmes en les prenant en petits bouts, en fait. Il faut essayer de prendre du recul et se dire, attends, on va prendre du recul, on a une grosse boîte là, on n'a pas plein de petites boîtes, on a une grosse boîte. Ils n'ont pas vu le docteur Joël Vogue. C'est ça le problème. C'est ça. Voilà, alors la neuropathie des petites fibres, je vous en ai parlé. Donc, on diagnostique cette neuropathie en faisant donc des biopsies. Moi, j'ai pris le parti de ne pas les faire parce que je trouve que ça fait mal. C'est pas compliqué à faire, hein, franchement. Mais derrière, j'ai pas de traitement à donner. Du coup, je vois pas l'intérêt, en fait. Alors, probablement que comme il y a cette anomalie, il va y avoir des études. Ça commence à balbutier un petit peu quand on commence à regarder une neuropathie intraveineuse, tout ça. Il y a des pistes de traitement de cette neuropathie des petites fibres. Mais comme il n'y a pas pour l'instant de traitement spécifique, je vois pas l'intérêt de faire des biopsies. Mais il y a quand même maintenant alors par contre, ça pose un diagnostic, ça peut quand même être intéressant, mais... Alors maintenant, il y a une technique non-invasive, on ne fait pas de biopsie, qui s'appelle le sudoscan. Donc ils le font à Angers, on a des patients qui ont eu le sudoscan pour diagnostiquer cette neuropathie. Alors, on voit cette neuropathie pas que dans la fibromyalgie, mais vous voyez aussi dans le diabète, etc. Hein, c'est pas spécifique de la fibromyalgie, mais c'est 50% des patients, donc c'est pas anodin. Ça va bien marcher. Voilà. Alors la piste musculaire, c'est très important. Je vous ai parlé des toxines dans les muscles. Le fonctionnement musculaire des patients fibromyalgiques, il y a longtemps qu'on sait qu'il est perturbé. La première raison, c'est qu'il y a un déconditionnement musculaire. C'est-à-dire que plus on a mal, moins on bouge et plus le muscle s'atrophie, se modifie. Donc si on le biopsie, ben, il n'est pas normal. Les fibres musculaires sont atrophiées. Et puis le muscle essaie de réagir pour mieux fonctionner, avec par exemple une augmentation des mitochondries, je ne parle pas des mitochondries après, voilà. Donc il n'est pas normal si on l'analyse au microscope. L'élément positif, c'est que si on se reconditionne en faisant de l'activité physique adaptée, il redevient normal, et donc c'est réversible. Donc c'est intéressant. Et ce qui se passe dans le muscle, en fait,
c'est que le muscle se comporte au repos ou pour des efforts faibles comme si vous étiez en train de faire un marathon. C'est-à-dire qu'il fonctionne en anaérobie, on appelle. En fait, c'est qu'il a une batterie trop faible et du coup, il y a une accumulation de toxines, comme si on était en train de faire un marathon alors que ce n'est pas du tout le cas. Vous voyez ? C'est ça ? C'est vrai ? Voilà. Alors, en général, c'est assez parlant comme image. Et donc, effectivement, bah, le sportif qui a dépassé ses limites musculaires, bah, il est obligé d'aller se faire masser, la mal au muscle, la décourbature. Bah, c'est ça, en fait. Vous voyez ? C'est ça. Vous voyez que dans la douleur, il y a plusieurs causes de douleur dans la fibromyalgie. Il y a ce dérèglement central de la sensation douloureuse. Il y a les petits nerfs qui donnent un autre type de douleur aux extrémités, les élancements, etc. Et le muscle, eh ben, si vous en faites un peu trop, poum, vous avez les courbatures comme si vous veniez de faire un marathon. Vous voyez déjà, ça fait déjà trois causes de douleur. C'est intéressant quand même. Vous voyez pourquoi les docteurs ils s'y retrouvent pas. Alors le dérèglement mitochondrial, ça c'est ce qui, c'est un petit peu mon dada. Pourquoi c'est mon dada? Parce que je pense que tout vient de là. C'est pas encore complètement établi, mais quand on regarde un peu les études qui sont faites, on dit mais ça y est, l'explication elle est là. Parce que la mitochondrie, qu'est-ce que c'est? La mitochondrie, c'est la chaudière de la cellule. Il y en a dans toutes les cellules. C'est des, vous voyez, ils sont en bleu. Là, vous voyez, ça c'est une cellule. Il y a le noyau avec les gènes au milieu. Et puis là, à l'intérieur, les petits trucs bleus, c'est des mitochondries. Les mitochondries, c'est des espèces de petits sacs avec une double paroi, dont la paroi interne fait des petits renflements comme ça. Et c'est celle qui va récupérer tout ce que vous allez lui apporter comme bonne chose. L'oxygène que vous respirez, tout ce que vous mangez, les vitamines, le glucose, etc. Tout va arriver dans la mitochondrie. Et ensuite, elle va produire l'énergie nécessaire à votre fonctionnement. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend une cellule musculaire, une cellule cardiaque, une cellule nerveuse, elle ne peut pas fonctionner sans une mitochondrie. C'est comme vous, chez vous, vous ne pouvez pas avoir de chauffage sans chaudière. Et dans la chaudière, vous mettez des bûches. Et pour que la chaudière fonctionne, bah, il faut qu'elle ait été révisée, que tous les voyants marchent, etc. Sinon, bah, vous ne produisez pas d'énergie et il y a une accumulation de bûches. Bon, bah, alors là, c'est pareil. L'oxygène, les vitamines, le coenzyme Q10, le glucose, tout va arriver dans votre cellule par le sang. Et à l'intérieur, ça va aller dans la mitochondrie. Et dans la mitochondrie, il y a tout un tas de réactions qui vont conduire à la production de molécules énergétiques qui s'appellent l'ATP. Et l'ATP, c'est la clé du problème. Voilà, vous voyez, ça c'est les petites réactions qu'il y a à l'intérieur, la membrane externe et la membrane interne. Et donc à l'intérieur, il y a un cycle qu'on appelle le cycle de Krebs. Et au bout du compte, voilà, ça fait plein de réactions. Et au final, il est où l'ATP? Tiens, j'ai oublié. Il est là, et voilà. Et lui, c'est le nœud du problème. Et dans la fibromyalgie, en fait, il y a un dérèglement de la production d'ATP. Ça a été également montré dans le syndrome de fatigue chronique. Et honnêtement, pour moi, les deux maladies sont similaires. Sauf que dans la fibromyalgie, c'est un peu les douleurs qui sont au premier plan. Et dans le syndrome de fatigue chronique, c'est vraiment l'épuisement, les malaises d'effort qui sont au premier plan. Mais c'est les mêmes maladies, à un peu de choses près. Voilà. Et donc dans les deux, il y a des études, c'est des petites études, c'est vrai, mais c'est concordant. Et ce sont des études qui sont avec des petits nombres de malades. Par exemple, dans la fibromyalgie, il y a une étude sur les biopsies de peau. Ce n'est pas des grands nombres de malades, mais pour moi, quand une étude avec un très petit nombre de malades est positif chez tous les malades testés, c'est que le problème vient de là. J'ai pas besoin d'en tester 500. Voilà. Et donc, en gros, hein, sur la peau des patients fibromyalgiques, on a montré qu'il n'y avait pas assez de production d'ATP et qu'il y avait des dérèglements au niveau de la mitochondrie elle-même, notamment un déficit d'une enzyme de la mitochondrie qui s'appelle la cytochrome C oxydase. La cytochrome C oxydase, c'est une enzyme productrice dans la chaîne, là, qui est perturbée si, par exemple, vous avez une intoxication, si vous êtes empoisonné au cyanure, elle s'arrête de fonctionner, vous mourrez sur le moment, sur l'instant. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vivre sans ATP. Tout s'arrête, en fait. Donc, c'est un arrêt du fonctionnement de la cytochrome C oxydase, c'est l'équivalent d'un empoisonnement au cyanure.
Et donc sur cette étude, cette petite étude, notamment, entre autres, donc 25 patients fibromyalgiques, ils avaient testé, ils avaient fait des biopsies également chez 20 patients qui étaient en bonne santé. Et donc ils avaient trouvé des résultats excessivement significatifs qui montraient un déficit d'activité de l'ensemble de cette chaîne mitochondriale de production d'ATP. Une réduction extrêmement significative du coenzyme Q10 et du taux d'ATP, une diminution du ratio, alors ça c'est un petit peu plus compliqué, entre l'ADN mitochondrial et l'ADN nucléaire chez les patients fibromyalgiques, mais c'est des chiffres très 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 significatifs et vraiment très intéressants. Voilà, donc je ne vous donne pas tous les détails, mais en tout cas, pour moi, c'est la clé du problème. Après, je vous dirai quel est le lien avec l'intestin. Mais en tout cas, on imagine bien que c'est ça qui explique que les muscles soient en batterie faible, que le cerveau soit en batterie faible, et que vous ayez des... Alors, en fonction des jours, toujours, des batteries qui ne dépassent pas ça, quoi. Vous voyez ? Alors, la piste inflammatoire, c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de patients qui disent « Mais oui, mais moi, je prends des anti-inflammatoires, je me sens un peu mieux. Quand je prends des corticoïdes, je vais mieux. » Alors, pas tous, hein. Et c'est pourtant pas du tout le traitement de référence de la fibromyalgie. Alors, il y a probablement plusieurs explications. D'abord, il y a plus de problématiques inflammatoires chez les patients fibromyalgiques. Donc, je vous ai dit, tendinite, problème de poussée d'arthrose, etc., etc. Donc, déjà ça, effectivement, si on améliore ça, ben, on a une petite amélioration, effectivement, sur les douleurs. Mais on sait aussi que la microglie, c'est-à-dire que l'enveloppe du cerveau, est inflammatoire. Donc, ça, c'est pas anodin. Et ça peut expliquer que des gens disent, bah même quand je suis anti-inflammatoire, bah, oh Lyon, je me sens mieux. Vous voyez ? Parce que l'enveloppe des neurones est moins enflammée. Vous me suivez ? Mais il y a probablement un lien avec ce qui se passe dans la mitochondrie. Et donc, si on regarde au niveau du sang, on fait des recherches d'inflammation, il n'y a rien. Parce que les marqueurs habituels classiques ne sont pas augmentés. L'inflammation ne se voit pas sur les marqueurs classiques d'inflammation de la prise de sang, par exemple la CRP. En général, elle est normale. Par contre, il y a eu des études qui ont montré que si on allait plus loin, si on faisait des recherches plus poussées, eh ben, on avait un panel de marqueurs inflammatoires qui étaient élevés dans la fibromyalgie. Donc il y a bien une part inflammatoire dans la fibromyalgie. Et la piste très intéressante, vous voyez, on a beaucoup, beaucoup de pièces au puzzle. Et la piste, la très très intéressante de ces deux dernières années, qui a été publiée en 2021, c'est la piste immunitaire, la piste auto-immune. Il y a longtemps qu'on suspectait une piste auto-immune dans la fibromyalgie, enfin moi en tout cas, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a un lien non fortuit entre maladie de système et fibromyalgie. Il y a beaucoup de patients qui ont les deux, en fait, notamment les thyroïdites auto-immunes, c'est en fait assez fréquent. Deuxièmement, il peut y avoir un déclenchement post-vaccinal, et ça, bah, c'est des choses qui arrivent, c'est pas tous les malades, mais c'est des choses qui peuvent arriver, voilà. Et ensuite, il y a le lien avec le gluten. Alors, on va reparler de ce qui se passe dans l'intestin, mais le gluten, en fait, ça, le régime sans gluten, ça marche très bien dans la fibromyalgie. C'est vrai qu'il n'y a pas eu encore de grandes études, mais il y a eu des petites études, et là encore, des petites études qui sont très très significatives. Et donc quand une étude est très très significative sur un petit nombre de malades, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire ça chez 30 000 malades pour démontrer que ça marche. Donc c'est très intéressant. Et nous on voit bien hein, depuis 10 ans que ça marche, parce que nous, nos études au quotidien, on les fait, ça marche. Et il se trouve qu'il n'y a qu'une seule maladie auto-immune dans laquelle on ait identifié la cause. Vous savez de laquelle je parle ? La maladie cœliaque. La maladie cœliaque, qui est la maladie, j'allais dire officielle du gluten, hein, qui est la maladie auto-immune du gluten, eh bien en fait c'est la seule maladie où on sait d'où ça vient, c'est la présence de gluten qui déclenche la production d'anticorps qui va abîmer l'intestin. C'est la seule. Et si vous arrêtez le gluten, vous allez mieux. Alors on ne l'a pas démontré dans d'autres maladies auto-immunes, c'est vrai, mais c'est quand même troublant. Et c'est vrai qu'aussi quand on interroge, parce que moi je commence à avoir un gros gros recul sur le nombre de malades traités, quand on interroge les gens sur le gluten, en fait, il suffit qu'ils n'en prennent pas beaucoup pour que ça redéclenche une grosse réaction. Donc ça veut dire que ça va plus loin qu'une simple intolérance, en fait. Donc, il y a longtemps qu'on suspectait qu'il y avait quelque chose d'immunologique. Alors là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est une étude qui a été faite, qui a été publiée par le King's College de Londres avec aussi une équipe suédoise. Ils ont pris des anticorps dans le sang de patients fibromyalgiques, donc des anticorps qui circulent.
Et ils ont pris des anticorps de patients non fibromyalgiques et ils ont injecté à des souris. Chez les souris à qui on a injecté des anticorps de patients qui n'avaient rien, enfin de gens non malades, il ne se passe rien. Chez les souris, donc là c'est l'âne, vous voyez, on injecte aux souris, et chez les souris qui reçoivent les anticorps de patients fibromyalgiques, eh bien en fait, très rapidement, elles se mettent à ralentir leur fonctionnement dans la cage et à avoir une diminution du seuil de douleur qu'on mesure, hein, c'est pareil, en les stimulant. Et quand elles déclenchent une réaction pour des très faibles stimulations, c'est qu'elles ont baissé leur seuil de douleur. Et ça va plus loin. Et donc ça, ça ne se produit pas avec les anticorps de patients, de personnes saines, entre guillemets. Et ils vont plus loin, ils ont fait des biopsies. Et ils se sont rendus compte que les souris développaient une neuropathie des petites fibres. Et ce qui est intéressant, c'est que s'ils arrêtent d'injecter des anticorps à la souris, tout redevient normal. Vous voyez ? Alors, c'est positif. C'est pas définitif. Vous voyez ? Et donc là, les petits nerfs, c'est en 15 jours. Hein. Donc c'est intéressant. Donc ça, pour moi, c'est une révolution. C'est une révolution, pour moi, ce résultat. Voilà. Et alors cette année à Vienne, justement, on a appris, en plus, hein, donc ça conforte cette idée que le système immunitaire est perturbé, c'est qu'on obtient finalement la même chose en injectant des polynucléaires neutrophiles, c'est-à-dire un certain type de globules blancs qu'on extrait du sang des patients, on les injecte à la souris, se produit la même chose. Et si on le fait, si on injecte des globules blancs de personnes qui n'ont pas la fibromyalgie, ça ne se produit pas. Donc vous voyez qu'on arrive à obtenir le même résultat avec les anticorps, et avec les globules blancs. Vous voyez, c'est concordant. Voilà, ça en fait les perturbations. Donc vous voyez, quand on vous dit c'est tout dans ma tête, oulala, attendez, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Il n'y a pas que la tête. Et il n'y a pas que la tête, parce qu'il y a aussi l'intestin. Donc j'y viens. Alors comment j'en suis venue à la conclusion qu'il y avait un problème avec l'intestin? C'est quand même un certain nombre d'années que j'étudie cette question. Donc maintenant, on a un peu une meilleure idée du taux de problèmes digestifs chez les patients fibromyalgiques. Vous voyez que 93% des patients qui ont des problèmes digestifs, c'est quand même pas 20, c'est 93. Voilà. Et il y a eu une première étude qui était intéressante, c'était un petit nombre de malades, mais là c'était très intéressant, c'était en 2004, vous voyez, c'est pas d'hier, c'est une équipe californienne qui étudiait les syndromes de l'intestin irritable. Et ils avaient montré que 100% des malades qui avaient un intestin irritable avaient un test au lactulose perturbé, c'est-à-dire que quand on leur donne du lactulose, vous avez peut-être fait ce test avec moi au Pôle Santé Sud, quand on prend du lactulose, qui est un sucre qui n'est pas absorbé, en fait, très rapidement, il y a une production d'hydrogène qui est liée à un excès de bactéries dans l'intestin. Donc normalement, dans l'intestin, il n'y a pas beaucoup de bactéries au début de l'intestin et beaucoup à la fin. Ça augmente au fur et à mesure du tuyau, hein, qui fait plusieurs mètres. Et là, en fait, il y a des bactéries jusque là. Ce qui fait que dès qu'on mange du sucre, en fait, pouf, les bactéries utilisent ce sucre et c'est elles qui produisent l'hydrogène. Alors, on produit trois gaz dans l'intestin. L'hydrogène, qui n'est pas toxique, le méthane, qui n'est pas toxique, et le sulfure d'hydrogène, c'est celui qui pue. C'est celui qui sent l'œuf pourri quand il y a des flatulences, etc. Ou mauvaise haleine aussi, hein, c'est du sulfure d'hydrogène. Et c'est celui-là dont on va parler, parce que celui-là, c'est vraiment celui qui rend tout le monde malade. Je vais vous expliquer après. En tout cas, ils ont fait ces tests au lactulose chez des patients fibromyalgiques. Ils étaient tous positifs. Et non seulement ça, mais plus les patients produisaient du gaz, plus ils avaient des douleurs fibromyalgiques élevées. D'où l'idée, ah bah tiens, si plus ils ont de gaz, plus ils sont malades, c'est peut-être qu'il y a quelque chose dans les gaz. D'ailleurs, marrant que personne n'ait eu l'idée avant moi. Mais bon, voilà. Et donc, sur cette base, ça fait une dizaine d'années qu'on fait des tests comme ça au Pôle Santé Sud. Par ailleurs, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une carence profonde en vitamine D. Or, on sait que la pullulation intestinale chronique empêche l'absorption des vitamines liposolubles, dont la vitamine D. Donc, vous voyez qu'il y a un lien entre cette pullulation de bactéries et le fait que tous les patients soient carencés en vitamine D. Mais non seulement ça, mais plus ils sont carencés en vitamine D, plus ils sont douloureux. Donc, vous voyez que... Voilà. Il y a aussi une carence en fer qui est assez fréquente. Donc il y a un lien qui est établi entre ce qu'on appelle le SIBO, hein, la pullulation intestinale chronique du grêle,
en anglais ça s'appelle le SIBO, et l'intestin irritable. Et voilà, bah, tout ça c'est ce que je viens de dire, donc je ne vais pas le redire, mais avec des chiffres quand même très significatifs. Et il se trouve qu'en 2019, c'est un médecin israélien là, qu'on a rencontré à Vienne, le docteur Minerbi, qui a travaillé à Montréal, a montré que il a étudié le microbiote, donc c'est-à-dire la flore intestinale, globalement, pour simplifier, des patients fibromyalgiques en la comparant à des patients non fibromyalgiques. Et donc là, il a identifié que clairement, le microbiote des patients fibromyalgiques n'était pas du tout le même que celui d'un patient non fibromyalgique. Il y a des différences qui sont très significatives. Et donc, il a même dit que presque on pourrait prendre les selles d'un patient fibromyalgique et on aurait le diagnostic. Tellement c'était significatif, donc c'était intéressant. Ça, c'était en 2019. Et là, ce qui nous a montré pendant ce congrès, c'est que s'il prend le microbiote de patients fibromyalgiques et qu'il le greffe à des souris qui n'ont pas de microbiote, elles deviennent fibromyalgiques. Elles commencent par réduire leur activité dans la cage, elles sont fatiguées. Et ensuite, elles ont mal. On leur fait des tests de seuil de douleur. Et ils continuent à les observer. Et les symptômes dépressifs, alors on ne fait pas de psychothérapie aux souris, mais elles ont un comportement dépressif. Ça, c'est un truc de chercheur, hein. Seulement 4 mois après. Donc, vous voyez, hein, l'œuf, la poule, bon, dans un sens, vous voyez, pas forcément dans l'autre, on a plutôt l'impression, en tout cas, sur ce modèle de souris, l'impression que quand même, la dépression est plutôt secondaire au problème de départ. Et donc, c'est pour vous dire que, là, vous greffez du microbiote de patients fibromyalgiques à des souris, elles deviennent fibromyalgique, c'est un truc énorme. Vous voyez, ça fait 10 ans qu'on le dit, mais là, c'est la preuve du concept. Et non seulement ça, mais quand ils le font avec un microbiote de patient non fibromyalgique, il ne se passe rien. Et alors, ils sont allés plus loin. Et donc, c'est là où c'est intéressant. C'est que les souris qui sont devenues malades, ils leur ont administré des antibiotiques. Là, je parle à tous ceux à qui j'ai prescrit de l'augmentin. Ils leur ont prescrit des antibiotiques. Pour la pullulation, enfin, il n'a pas parlé du tout de la pullulation. Moi, je le prescris dans le cadre de la pullulation. Et en fait, des antibiotiques qui nettoient, entre guillemets, l'intestin, et les souris vont mieux. Si on ne fait rien, ça revient. C'est-à-dire que les mauvaises bactéries reprennent le dessus. Donc, elles vont mieux au départ avec les antibiotiques. Ensuite, elles vont à nouveau moins bien. Mais par contre, si il leur met des antibiotiques, elles vont mieux, et il leur greffe des selles de personnes non malades, elles guérissent. Ah. Vous suivez ? On devrait le faire. Oui, hein. Bah, écoutez, si ça guérit. Bah, c'est-à-dire que moi, je m'amuse à le faire depuis une dizaine d'années, hein. Mais c'est intéressant de voir que ce que je dis depuis 10 ans, ça, quand même, voilà. Ça a quand même du sens, en fait. Voilà. Donc ça, c'est le truc vraiment super intéressant qu'on a appris à ce congrès. Et on est d'ailleurs allé discuter avec lui pour parler des gaz, parce qu'il cherche, on voit bien qu'il cherche l'explication. Hein. Donc là, il est plutôt sur des bactéries productrices d'acide biliaire, enfin des choses comme ça, des trucs un peu techniques. Mais voilà, l'hypothèse des gaz, elle est quand même très intéressante. Donc je vous ai dit sur les gaz, en fait, l'idée c'est qu'il y a trop de bactéries dans l'intestin. Effectivement, dans l'intestin, vous savez qu'il fait 37 degrés, donc c'est la canicule permanente. Donc vous imaginez une pullulation intestinale dans un milieu à 37 degrés, c'est milieu de culture. Hein. Et donc, si vous rajoutez du lait là-dessus, je ne sais pas si vous avez déjà laissé une bouteille de lait. La fermentation purée simple, voilà, c'est exactement ça qui se passe. Si vous avez, enfin moi, ça m'était arrivé il y a très longtemps, j'avais ouvert une bouteille de lait, je l'avais oublié, j'avais refermé, j'avais oublié dans la cuisine l'été, il faisait chaud. Et en fait, 2 jours après, elle avait doublé de volume. Et il y avait, ça sentait très mauvais, ça sentait le sulfure d'hydrogène. Ça avait fermenté à l'intérieur et il y avait donc du sulfure d'hydrogène. Donc en fait, globalement, c'est ce qui se passe dans l'intestin. Beaucoup de bactéries, 37 degrés, mettez du lait, vous allez voir. Hein, donc pourquoi j'insiste sur le lait, mais c'est que voilà. Et quand vous produisez des gaz, en fait, quand ça fermente, le gaz qui est embêtant, c'est le sulfure d'hydrogène. Parce que le sulfure d'hydrogène, en fait, il n'a rien d'autre qu'une toxicité sur la petite mitochondrie que je vous ai montrée tout à l'heure. On connaît la toxicité du sulfure d'hydrogène produit dans le milieu environnant, par exemple, dans une fosse septique.
les travailleurs qui ouvrent les fosses septiques peuvent être exposés brutalement à un afflux de sulfurogène, peuvent mourir. Ou ceux qui travaillent dans l'industrie du gaz, par exemple. Et donc, ils ont des petits détecteurs, parce qu'en fait, ils peuvent mourir en une minute, en moins d'une minute. Parce que ça arrête la production d'ATP, donc ça veut dire arrêt cardiaque et cerveau, coma. Et donc, ils peuvent mourir en deux minutes. Donc, ils ont un détecteur, ils ont intérêt à se barrer vite quand ça sonne. Donc ceux qui s'intéressent à la santé des travailleurs connaissent la toxicité du sulfure d'hydrogène. Et vous en avez déjà entendu parler, parce que vous avez sûrement entendu parler de la toxicité des algues vertes sur les plages de Bretagne. Et quand il fait chaud, s'il y a beaucoup d'algues vertes, ça fermente sous les algues vertes. Et ça sent pas très bon. Ça sent un peu l'œuf pourri. Et donc il y a des sangliers qui sont déjà morts sur des plages de Bretagne. Des chevaux aussi. Ouais. Voilà. Donc vous voyez que ce gaz qu'on produit dans notre ventre, en fait, il n'est pas anodin. Et il a sa toxicité, son mode de toxicité, en fait, c'est là où je vous ai montré. Donc vous voyez que l'idée de produire moins de gaz, de moins d'hydrogène, en mangeant moins d'aliments qui fermentent, là, qu'on appelle les FODMAP, dont font partie le gluten, le lactose, eh ben, ce n'est pas une vue de l'esprit. Et c'est probablement pour ça que ça marche. Voilà. Donc je vous ai déjà dit sur sulfure d'hydrogène. Alors quand même, c'est intéressant parce que j'ai cherché l'effet sur les douleurs, parce que la toxicité aiguë du sulfure d'hydrogène, bah, c'est la mort. Alors donc c'est assez vite réglé. Mais ont été décrits des toxicités chroniques, c'est-à-dire des expositions chroniques par l'extérieur au sulfure d'hydrogène donnent un certain nombre de symptômes. Et notamment, ça agresse les muqueuses, les yeux, la muqueuse ORL, le tube digestif, les bronches, les voies urinaires. Donc, et des maux de tête, de la fatigue, insomnie, baisse de la libido, troubles de mémoire, ataxie, donc l'ataxie c'est quand on ne tient pas bien le mot comme ça, mouvements anormaux, irritation oculaire, gêne à la lumière, nausée, anorexie, douleur abdominale, diarrhée, bronchite, éruption, prurite, allez, on y va. Et là, il n'y a pas les douleurs diffusées, il y a les maux de tête, mais il n'y a pas les douleurs diffuses. Moi, je bouge trop en fait, c'est douleur. Voilà, donc ça c'est connu, il suffit d'aller sur la fiche toxicologique du sulfure d'hydrogène sur le site de l'INRS, qui est l'Institut National de Recherche et de Sécurité, et vous avez la toxicité du sulfure d'hydrogène. Alors pas le sulfure d'hydrogène qu'on produit, parce qu'il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse à celui qu'on produit dans l'intestin. Alors la question dans la fibromyalgie, c'est est-ce que la surproduction de sulfure d'hydrogène dans l'intestin peut expliquer la douleur de la fibromyalgie? Eh bien oui, par le mécanisme que je viens de vous dire, ne serait-ce que pour les douleurs musculaires, etc. Mais aussi, il y a quelques études, alors il y a beaucoup d'études sur le sulfure d'hydrogène, parce qu'à très petite dose, il peut être bénéfique pour la santé, et c'est à forte dose qu'il est toxique. Du coup, il faut essayer de s'y retrouver dans la littérature médicale. En tout cas, il y a une étude qui avait été publiée il y a déjà pas mal d'années, par un japonais, et qui avait provoqué des douleurs neuropathiques chez des souris en leur injectant du sulfure d'hydrogène. Intéressant. Voilà, donc l'idée d'Isopus depuis le départ, parce que vous savez qu'Isopus, qui sait ce que veut dire Isopus? C'est l'isope, ça vient de l'isope. Ça vient de l'isope, voilà. L'isope, donc c'est le nom latin de l'isope, qui est une plante médicinale. C'est une plante qu'on peut cultiver chez soi. Et qui en fait était utilisée pour traiter les ballonnements intestinaux. Donc vous voyez le rationnel du nom de l'association, que c'était aussi un petit peu notre objectif dès le départ, de faire le lien entre ce qui se passe dans l'intestin et ce qui se passe dans le reste du corps en fait. Voilà. Alors l'idée c'est d'essayer aussi de faire avancer la recherche sur ce sujet, et aussi d'essayer de pas attendre que la recherche avance pour soulager les patients. Donc c'est pour ça qu'on est là. Et donc comment on peut faire pour diminuer la quantité de gaz produite dans notre intestin? Il y a deux solutions: ou on baisse la quantité de bactéries, ou donc en mettant des antibiotiques et en mettant des probiotiques, ou on change son alimentation pour réduire, voire arrêter complètement tous les aliments qui fermentent. Et donc les aliments qui fermentent, ça s'appelle les FODMAP, et dedans vous avez le lait, le blé et le gluten. Et le gluten, c'était une surprise au départ, parce que moi au départ je proposais aux gens de réduire les doses, et en fait non, ça ne marche pas. Il faut arrêter complètement, et c'est là qu'on en revient à la problématique auto-immune. Je pense que
le gluten, c'est le facteur déclenchant d'une réaction vraiment particulière. Voilà, donc les FODMAP, c'est un concept récent en nutrition. FODMAP, ça veut dire, c'est un acronyme anglais. Le F, c'est fermentescible, donc ça veut dire que c'est des aliments qui fermentent. Oligosaccharides, donc c'est des oligosaccharides. En fait, c'est des sucres. Oligosaccharides, c'est un sucre avec plusieurs sucres mis bout à bout, un petit peu. Les disaccharides, c'est quand il y a deux sucres. Par exemple, le lactose, c'est un disaccharide. Le monosaccharide, c'est un sucre, un monosucre. Il n'y a qu'un sucre, comme le fructose, par exemple. C'est juste un sucre. Et les polyols, le A, c'est AND en anglais. Et les polyols, c'est tous les édulcorants qui finissent par OL, le xylitol, le sorbitol et tous ces trucs qu'on met beaucoup dans les aliments sans sucre, les chewing-gums sans sucre, les bonbons sans sucre. Et en fait, du coup, bah, qui font gonfler le ventre, puisqu'il fait beau. Alors le lactose, il y a très peu de choses dans la littérature sur le lactose. J'avais retrouvé un cas rapporté qui avait été publié dans Lancet en 2000 de quelqu'un qui n'allait pas bien du tout. Il a arrêté le lait et puis il se sentait mieux. Mais il y a quasiment rien dans la littérature sur le lactose. C'est un petit peu frustrant. Et pourtant, il y a quand même une grande partie des malades qui est intolérant. Et pour ce qui est du gluten, alors je vous invite à revoir la vidéo que j'avais faite sur le sujet. Ce que j'avais quand même fait il y a 2-3 ans, une vidéo assez détaillée sur les différentes façons d'être sensible au gluten. Donc, il y a la maladie cœliaque, c'est 1% de la population. Ça, c'est une vraie maladie auto-immune. Donc, au départ, c'est les Espagnols qui, chez des patients cœliaques, 7 ou 8 patients cœliaques qui avaient aussi une fibromyalgie, quand ils leur ont mis leur régime sans gluten strict, ils sont aperçus qu'en fait, leur fibromyalgie allait mieux. C'est comme ça qu'il y a eu la première publication sur le sujet du gluten et de la fibromyalgie. Et d'ailleurs, les résultats étaient tellement spectaculaires en fait chez tous les malades qu'ils ont repris leur travail, enfin, ils n'avaient plus de douleur. Et quand ils en reprenaient, ils allaient moins bien. Donc ça, c'était la première étude. Donc c'est vrai qu'on peut dire, bah oui, c'est des petites études, mais enfin, c'est des petites études qui sont quand même très intéressantes. Hein, voilà. Donc il y a plusieurs études, vous verrez, je les ai détaillées dans la vidéo sur le gluten. Donc ça, c'est pour la maladie cœliaque. Parmi les patients que moi je suis, il y a très peu de malades cœliaques, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup, parce que je fais la recherche à chaque fois au départ. Et la deuxième façon d'être intolérant au gluten, c'est d'être allergique au blé, mais c'est pareil, c'est une allergie qui est rare, très rare, moi je n'en ai jamais vu. Mais bon, admettons, ça peut arriver. Et la troisième façon, qui est en fait la façon la plus fréquente d'être sensible au gluten, c'est ce qu'on appelle la sensibilité non cœliaque au gluten. Et en gros, c'est des gens qui disent, moi quand j'en prends, je ne vais pas bien. Quand j'en prends plus, je vais mieux, globalement, parce qu'il n'y a pas de marqueur là encore. Voilà, il n'y a pas d'anticorps. Et ça, en fait, ce serait 2 à 5% de la population. Donc, c'est pas si rare. Et il y a eu une grande étude qui a été faite en... Donc, vous voyez que ça date de 2012, les premières descriptions de la sensibilité non cœliaque au gluten. Donc, c'est des gens qui présentent des douleurs, des ballonnements, une sensation de mal-être. 30% à peu près ont des douleurs dans le corps, hein. Le ballonnement, c'est 90%, donc vous voyez que ça fermente. Hein. Et c'est les Italiens qui ont fait cette grande étude. Vous voyez, au pays des pâtes, ils s'intéressent quand même à la sensibilité au gluten. Mal-être, donc sensation de mal-être. Fatigue, maux de tête, anxiété, l'esprit embrumé, hein, le fibrophone, hein, finalement. Voilà. Et 30% des patients dans cette étude italienne, qui est intéressante parce qu'il y a plus de 500 malades et c'était dans 38 hôpitaux italiens, donc ce n'est pas une petite étude isolée, c'est vraiment une grande étude. 30% avaient des douleurs diffuses, qui disparaissaient à l'arrêt du gluten, bien sûr. Donc, je vous passe un petit peu les détails. Clairement, pour ce qui est du gluten, il n'y a rien qui marche aussi bien. Il n'y a aucun traitement, aucun médicament qui marche aussi bien que l'arrêt du gluten. Alors, vitamine D, je vous l'ai dit, hein, il faut en prendre de la vitamine D, elle est basse. Et plus elle est basse, plus il y a des douleurs. Alors, comment aller mieux? Je compare souvent la prise en charge du patient fibromyalgique à un escalier. Alors voilà, le patient, il arrive, il est tombé en bas de l'escalier. C'est la catastrophe. Il n'y a plus d'énergie, il y a des douleurs partout, tout va mal, l'emploi, tout va mal. Et donc, l'idée, c'est de donner au patient les clés qu'il faut pour commencer à remonter les marches. Et donc, vous pouvez regarder la vidéo qu'on a mise en ligne hier sur les 3 piliers de la prise en charge. Alors, la première chose, en fait, c'est d'être bien entouré. Ça, c'est un super truc.
et la bienveillance des personnes qui vous entourent et de celles qui vous soignent aussi, c'est primordial. Ça a même été souligné dans l'enquête INSERM qui a été publiée, dans le rapport INSERM qui a été publié en 2020. C'est que le soignant bienveillant, c'est essentiel pour que le fibromyalgique aille mieux, déjà. Et après ça, il y a trois grands piliers de la prise en charge. Il faut changer son alimentation, je le mets toujours en premier, c'est essentiel, en arrêtant le gluten complètement, en arrêtant le lactose. Alors, il y a des gens qui arrivent à en prendre un peu, mais globalement, il faut y aller sur le lactose. Et en réduisant les FODMAP, qui sont les aliments qui fermentent. Là, la tolérance, elle est variable en fonction des gens. Il y a des gens qui vont en tolérer un peu plus que d'autres. Et donc, parmi les fruits et légumes contenant des FODMAP, bon, on a les listes, si vous voulez. On en a parlé ce matin à l'atelier. Mais par exemple, si vous mangez des oignons, des choux, ça fermente. Ça, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Après, il y a des choses auxquelles on pense moins. Les carottes, il faut les cuire. Les pommes, il faut les cuire. Il y a des choses, voilà, il faut juste connaître les combines. Donc nous, on est là pour ça aussi, si vous avez besoin de conseils. Et ce qui va être mal toléré chez les uns, sera pas forcément mal toléré chez les autres. Alors, oui, on met volontiers, je remercie ma sœur, hein, docteur Léger, parce que c'était elle au départ qui avait fait cette publication. J'ai un tout petit peu complété que les dernières données, mais c'était elle qui l'avait faite. Donc je la remercie au passage, si elle me regarde. Voilà. La part du patient, donc c'est les trois piliers, donc ça je vous invite à aller regarder ma petite vidéo. Et la part du médecin et des soignants, parce qu'évidemment on peut quand même mettre des choses pour aider les patients. Donc les trois piliers, je vous les redonne, mais vous irez voir la petite vidéo, c'est le trouver le bon rythme, et équilibre, repos, activité physique. Et l'un est aussi important que l'autre. On a vu hier sur l'activité physique, c'était très important. Vous pouvez aller revoir la vidéo aussi. Mais le repos est aussi important, parce que le fibromyalgique typique, c'est celui qui se dit « Bon allez, aujourd'hui ça va, je vais faire. » Oui, oui, il y a peut-être des trucs qu'on pourra faire demain. Parce que si vous en faites trop, je vais faire les carreaux, tout ça, 3 jours pour s'en remettre. Donc, les batteries sont faibles. Donc, on apprend à gérer son énergie. Il faut bouger, mais il faut aussi se reposer. Donc, ça, c'est important. Éviter les deux extrêmes. Et puis, adaptation du poste de travail, reconversion professionnelle. La grande spécialité d'Iris. Ça la fait rire. Voilà, et parfois ça se termine en invalidité malheureusement, mais voilà, c'est pas pour ça que derrière on peut pas reconstruire quelque chose. Voilà, et donc il faut trouver un nouvel équilibre. Alors, l'alimentation, le rythme, activité, repos, et le stress, ça c'est important, savoir se reposer, savoir gérer son temps, se détendre, respirer, trouver des techniques pour se relaxer. Le MDR et la psychothérapie de soutien, c'est des choses qui peuvent être importantes, surtout qu'une partie des patients ont vécu des choses difficiles dans leur vie, et parfois, si on ne travaille pas ces choses-là, eh ben, on ne peut pas aller mieux non plus. Hein. C'est quelque chose qui vous laisse un peu dans l'escalier, qui vous empêche de monter. Il faut s'écouter, il faut savoir dire non. Ça, c'est important. Les patients fibromyalgiques ne disent pas non. Il faut savoir s'arrêter. Il faut éloigner les personnes toxiques. Ça, c'est super, super, super important. Voilà. Et il faut garder autour de soi tout ce qui est bienveillant. Voilà. Alors, je cite les médicaments. Parce que vous voyez qu'ils ne sont pas dans mes trois piliers. Les médicaments, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas forcément bien toléré, mais ça peut être important pour dormir, par exemple, l'aroxyl, par exemple, ou s'il y a une vraie dépression, ou s'il y a d'autres choses, voilà, ça peut être important. Puis après tout, si l'isalgie ou la lamaline, ça vous fait du bien, on en prend un peu quand vraiment on ne s'en sort pas. Voilà. Mais il n'y a pas de médicament miracle dans la fibromyalgie pour l'instant. Et puis traiter le sommeil, l'anxiété, ça peut être aussi important. Voilà. Et prendre soin de son microbiote. Donc, pour prendre soin de son microbiote, il faut une alimentation équilibrée, un régime pauvre en FODMAP et en lactose, sans gluten strict. Et là, honnêtement, à tous ceux qui diraient « Oui, mais les gens vont faire un régime déséquilibré. » Moi, tous les gens à qui je dis ça, ils prennent leur santé en main, ils se disent « Là, j'ai un moyen d'aller mieux sans aller voir chez le docteur. » Et tous, ils mangent sain, ils font la cuisine eux-mêmes, ils arrêtent la bouffe industrielle, et en fait, tout va bien. Alors, les oméga-3, les fibres alimentaires, c'est deux choses importantes, que ça nourrit bien votre flore intestinale, le poisson, l'huile d'olive, les oméga-3, voilà. Les fibres alimentaires, il faut essayer d'éviter les fibres qui ne fermentent pas, vaut mieux prendre celles qui ne fermentent pas. Moi, je vous conseille haricots verts courgettes, ça marche très bien. Surtout si vous êtes constipé, il faut lutter absolument contre la constipation. Pardon. Ça va aller ? Excusez-moi.
Voilà, prendre des vitamines. Donc la vitamine D, c'est indispensable. Le coenzyme Q10 aussi est intéressant. Et les probiotiques, c'est très important. Je vous ai dit que la flore intestinale était perturbée. Et donc, il faut s'acharner à trouver un probiotique que vous supportez. Vous pouvez vous faire conseiller par votre pharmacien. Parce que ça peut vraiment faire gagner du terrain de trouver le bon probiotique. Donc après, l'antibiothérapie, bon, c'est vrai que nous, on ne s'amuse pas à faire des antibiotiques tout le temps. Hein, parce que ça peut être, finalement, avoir l'effet inverse et d'être très délétère pour la flore intestinale. Mais en tout cas, les probiotiques, c'est important. Alors, est-ce que ça marche? On avait fait en 2016 et en 2017, deux années de suite, sur les 200 nouveaux patients approximativement hein, qu'on avait chaque année à ce moment-là. On en a un peu moins depuis le Covid pour des raisons de difficultés de recrutement. En tout cas, on avait étudié en 2017 sur les 200 nouveaux patients qu'on avait eus cette année-là. On avait envoyé des questionnaires très complets sur est-ce qu'ils faisaient le régime, est-ce qu'ils le faisaient complètement avec des écarts, pas d'écarts, qu'est-ce qui allait mieux, la douleur, est-ce que ça allait mieux, etc. Et tout un questionnaire. Et donc, on avait 116 réponses sur 200 questionnaires envoyés, donc c'était pas mal. Et on avait 84% des patients qui disaient que la douleur allait mieux depuis qu'ils avaient changé leur alimentation. Le soulagement était de plus de 50% chez 50 personnes ayant répondu. Et le soulagement était d'au moins 70%, ça veut dire qu'il ne reste plus que 30% des douleurs, chez un quart des patients ayant répondu. Donc vous voyez que c'est beaucoup et il n'y a aucun traitement qui donne ça dans la fibromyalgie. On l'avait fait l'année précédente, c'était pareil. Vous voyez, on l'a fait deux fois de suite, c'était pareil. Et pourtant, un tiers des patients faisaient des écarts de régime. Ça veut dire que si tout le monde avait tout bien fait, on aurait même probablement eu des résultats encore plus intéressants. On avait fait un poster au premier congrès de Vienne en 2019. On était allé avec le docteur Léger et le docteur Gaillard. Et on avait identifié également 46% avaient meilleur moral, 32% un meilleur sommeil, 41% avaient amélioré leurs activités, 72% bien sûr avaient amélioré leur trouble digestif, puisque c'est le premier truc qui va mieux, hein, c'est le système digestif, 28% la fatigue, 23% les troubles de mémoire et 25% les troubles urinaires. Et la question était posée, si vous faites un écart de régime, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, 78% disaient, bah, j'ai à nouveau des symptômes. Et j'avais posé exprès la question, est-ce que vous avez remarqué quand vous faites un écart que, en même temps que les douleurs, il y a une augmentation du volume du ventre ou une production accrue de gaz? Et donc 66% des patients m'ont répondu oui. Vous voyez, on tourne toujours autour des gaz en fait. Hein. Voilà. Donc comment aller mieux la part des soignants? Alors la part des soignants, c'est d'écouter, de reconnaître la maladie. Une certaine empathie est quand même nécessaire. Là, j'ai dû me tromper d'ailleurs, une erreur là. Les médicaments, bon, c'est pas forcément la panacée, ça peut aider. Mais bon, voilà, souvent on commence comme ça, mais c'est, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Physiothérapie, balnéothérapie, les cures thermales. Je vous invite à aller sur le site de Fibromyalgie SOS, qui aborde bien cette question, les cures thermales. Le TENS, l'auto-hypnose, la relaxation, voilà, tout c'est en général des choses qui sont proposées dans les centres de la douleur. La RTMS, donc la stimulation magnétique transcrânienne, il y a une vidéo sur le site, si vous voulez la regarder. Psychothérapie, psychiatre, ben quand il y a besoin. Les semelles orthopédiques avec un soutien complet de la voûte plantaire, ça fait beaucoup de bien, n'est-ce pas? Aussi les chaussettes de contention, moi je les prescris en lin parce que comme ça absorbe la sueur, on peut les garder toute la journée. On peut même aller faire du sport ou de la marche avec. Et l'oxygène, point d'interrogation, mais ça c'est un autre sujet. Nous avons fait une vidéo sur le sujet si vous voulez aller regarder. Et l'éducation thérapeutique, bien sûr, on est là pour ça, pour que chaque patient puisse comprendre pourquoi il est malade et ce qu'il peut mettre en place pour aller mieux. Et comme ça, il prend sa santé en main. Finalement, c'est le meilleur moyen pour aller mieux. Et ne pas être seul. Voilà, j'ai été un peu vite sur la dernière diapo. Ne pas rester seul, s'informer. Vous pouvez aller sur le site Isopus. Vous pouvez venir au café Isopus aussi pour ceux qui seront du coin. Voilà. Ou à Nice aussi, qui est un café. Maintenant, près de Nice, à Saint-André-de-la-Roche, le premier et le troisième jeudi de chaque mois. Voilà. Wow. Yeah. Merci. Merci.